Ça doit ramer un peu du cul, comme d'habitude, mais bref. Amis les Turfus, sur YouTube, bien le bonjour, bien le bonjour, bienvenue sur cette nouvelle VOD. Alors, c'est probablement pas un one-shot, parce que Gris, il prend quelques heures, je crois. Donc, il y aura peut-être une ou deux VOD. Mais bref, donc, nouvelle VOD sur Gris, parce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie d'un jeu qui est joli, et Gris correspond parfaitement à cette description. Donc voilà. Voilà, donc installez-vous bien confortablement et profitez de cette VOD. Nouvelle partie, oui, je veux une nouvelle partie, évidemment. Prenez vos pagaies, oui, qu'on appelle aussi des tristes, Flossama, les pagaies. Hop, c'est parti. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son, c'est bon ou pas. Normalement, c'est bon. Déjà, c'est putain de beau. Parachute. Elle fait pas parachute sa robe là? Ce serait pratique. On appellerait ça une robe à chute. Les musiques ont l'air dingues. Allez, on se lève. Elle a pas l'air de péter la forme, hein. Les musiques sont ouf, tu les spams en travaillant. Aha. Ouais. Bon, je sais que si j'appuie sur le bouton, hop, elle tombe. Mais parce que j'ai un peu lancé le jeu quand même tout à l'heure pour faire les tests. S'écoute très bien toute seule, d'accord. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est beau. Ah bah non, lève-toi! Allez! Courage! Pleure pas! Pleure pas, Janine! Ah, ça y est! Hop! Et là, je peux sauter! Touk! Regardez ça! Un vrai cabri! Non! C'est trop beau! C'est que le début. C'est pas, je regarde les boutons. Oula. Ah, c'est ouf. Il y a moyen d'avoir des visuels de dingue.
C'est le genre de jeu, c'est un jeu à screenshot, ça. Cabri, c'est fini. Oui. C'est un jeu à wallpaper, ça. Ouais, bah voilà, t'as... Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Ah ouais, sérieux. Oh. Je parle plus vite. Ah merde, j'ai tombé. Ah là là, c'est ouf. Ah. Comment ça? Ah, commence pas, hein. Attention, hein. Pas de siège arrière. Si je loupe des trucs, je loupe des trucs. C'est comme ça. C'est quoi, ça? Eh, je peux pas remonter. Non. C'est quoi, ce truc, là? Ah. Oui, je me doute que c'était... Oh, qu'est-ce qu'il y a par là? Hop. Bonjour. Attention. Bah alors, il bouge plus. Merde. Il bouge plus. T'as les visuels du jeu en tête, rien qu'aux notes. Eh ben. Hop. Ça, ça bouge. Alors par contre, hop. Bon, je peux rien. Non. La maçonnerie a des petites papates. Oui, on peut jouer à... 1, 2, 3 soleils avec, peut-être. Ok. Ah. Il se passe des choses. Ah. Ok, d'accord. Il faut que je reconstruise le pont. Il faut que je... refasse le pont. Sauter. Hop. Bonne map de Smash. Peut-être. Hop. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me fais agresser par une corde à linge. Mario et Link débarquent. Ok. Un Pokémon sauvage apparaît. Hop. Allez, c'est bon. Une corde à linge. Ça a changé, Mio. Eh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est parce que je danse le Mio, c'est pour ça. Eh DJ, mets-nous donc du funk, qu'on danse le Mio. Non, c'est pas ça la chanson? Hop. Hop. Merci. Merci. Ah, une main! Allez. Pour où là? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça marche, Flossama! Bonne soirée! À bientôt! À bientôt, peut-être! J'espère!
Ok, oula, une couleur a été retrouvée. D'accord. Salut Denset, coucou. Comment allez-vous? Avançons. Ça marche, Flossama. Et un bon voyage, cher ami. Oh, il y a des trucs là. On peut pas monter là? Non. Oh! Comment on va ce dimanche soir? Bah ça va, écoute. On joue à gris. Oh et merci pour le subgift à Castelmark. Merci beaucoup. C'est très gentil. Hop là. Alors. Ça dit quoi, ça? Oh, des fleurs! C'est beau, les fleurs! Ça marche, Tranchouille! Bonne soirée à toi, merci aussi d'être passé. À bientôt. Et oui, j'ai beaucoup aimé Journey, Denset. J'ai beaucoup aimé, je me suis régalé dessus. C'est vraiment très très chouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Une constellation? Ok. J'imagine que je peux grimper. Je peux. Mais d'abord, allons voir en bas. Qu'est-ce... Oh, il y a quelque chose ici. C'est un mignon. Regardez, c'est un mignon. Ça a l'air grand quand même. Ça a l'air vachement grand, la map. Hop. Je pensais que les persos rencontrés étaient des PNJ. Eh non, ce sont des joueurs. Ah, le système de multi de Journey est très chouette, j'ai trouvé. Alors, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour passer encore. Donc, bah écoute, on va descendre. On va aller de l'autre côté. D'ailleurs, d'arbres sont super fortiches. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un métier, hein. Par là, il y a quoi? Par là, il y a rien. Enfin, si, mais je peux pas encore y accéder. Donc... Je te dis, vous avez joué un tel et un tel. Ça m'a bluffé. Ouais. Après, je pense qu'il y a moins de... Il y a moins de gens qui y jouent maintenant, peut-être. Oh, attention! Allez, c'est parti pour un ride. J'avoue, j'ai été un peu triste de perdre de vue mon premier acolyte. Je suis sûr qu'il y a des trucs à choper. Genre ça, là. Ça, je suis sûr que c'est des trucs à choper. Non? Ou alors c'est juste moi qui hallucine. Oh putain, c'est beau, bordel, mais que c'est beau! On est d'accord que ça, là, ça. Ça, c'est un fond d'écran, ça. Ça, c'est un wallpaper, les mecs. Putain, c'est ouf. C'est tellement beau. Oh là là. Regarde ça. Ah non, la direction artistique est dingue.
T'as d'ailleurs, en parlant de... T'auras du mal à trouver un écran du jeu qui soit pas wallpaper worthy. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Regarde ça, là, le... Putain, le... Le jeu avec les ombres et tout, c'est ouf! Gris. Mais ouais, je disais par rapport à Journey, t'as Arzam, je sais pas si t'as vu Denset sur Discord, t'as Arzam qui a conseillé Sky sur Android et sur iOS, je crois aussi. Bref, qui est sur mobile et ouais, je l'ai téléchargé, je l'ai commencé, il a l'air vachement cool. C'est marrant parce que gris à l'envers, ça fait cirque et ça ne veut rien dire. Tout à fait, Tasker, vous avez raison. Coucou Marin, bonsoir, comment ça va? Waouh. Boum. Il faut avoir les chevilles solides quand même. C'est une arnaque, c'est pas du tout gris le jeu. Ouais, j'avoue, rembourser mon invitation, quoi. Je suis parti à gauche, mais ça se trouve, c'était pas là qu'il fallait. Oh, bah si, regarde. J'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'est. Mais je l'ai chopé. T'as vu ses pieds, elle a pas de cheville. Eh ouais. Un peu négligé Discord ces derniers jours. Oh non, mais t'inquiète, hein, c'est pas. Voilà. Il y a aucun reproche ou quoi. Mais donc, ouais, il y a le studio qui a fait Abzu, qui a fait Flower, qui a fait Journey. Ils ont fait un jeu sur mobile qui s'appelle Sky, qui est entièrement gratuit. Et je l'ai commencé là hier. Il a l'air pas mal du tout. Il a l'air pas mal du tout. Pas de problème de champignons chelous. Effectivement. Effectivement, si t'as pas de pied, t'as pas de problème de champignons sous les ongles, Tascarn. C'est d'une logique implacable. Ah, attention! Le mal approche. Ok, j'imagine qu'il doit falloir s'en protéger de ce truc. Parce qu'avec la petite musique au... Au clavecin là, au synthé ou je sais pas quoi. Ça doit pas être ouf ça. Pas le mal, c'est Dédé. Regarde ça. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ouais. Clairement, c'est un truc qui craint ça. C'est un truc qui craint ce truc là. C'est obligé. Allez, on traîne pas. On ne traîne pas. C'est de l'orgue. Oui, voilà, de l'orgue. Ça marche, Denset, à toute. À tantôt. Vite. Vite. Voilà. Je cherchais le mot orgue, Castelmark. Merci de m'avoir corrigé. Oui. Mais saute. Oh là. Oh là, ça craint. Vite! Ah non! Non! Ah, saloperie. Évidemment, je me suis fait bolos. Allez. Allez. Voilà. Les orques, c'est les trucs qui nagent avec les regains. Il est en forme ce soir, le sur Tascairn. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus.
La blague est valide. Ah, elle est totalement valide. Elle est totalement valide. Oh là là. Ah, il y a un regain d'humour là. Sur cette chaîne, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Attention, le vent souffle. Hop. Oula, j'ai cru que j'allais foirer mon saut. Waouh. On a fait une petite passerelle. C'était absolument incroyable. Allez, zou. Vite. Vite. Voilà. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wouah. Trop chelou. Trop chelou. Mais elle grimpe. Comment c'est bizarre. La grosse maçonnerie avec les grosses patounes. Les patounes. Les grosses patounes. Général patoune. Non. Ça fait très Morrowind. Alors là, je peux pas dire parce que j'ai jamais joué à Morrowind. J'ai essayé une fois. Et j'ai un peu trop saigné des yeux. Du coup, j'ai pas continué. Ah, il y a un truc qui est cassé là. Non, Morrowind. Allez. Allez. Putain, merde. Ça marchera pas. Il fallait que je saute dessus depuis vachement plus haut. Et du coup, c'est foutu. T'as les gros sticks pareils qui se déplacent et servent de moyen de locomotion. D'accord. On va aussi dans Skyrim. Alors, j'ai jamais fait les DLC de Skyrim. Merde, mais comment je pouvais savoir Bon, bah tant pis. Saigner des yeux, petite nature. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Comme ça, hein. Il y a quelques dommages, ça passe. Hein? Quoi? Bon bah tant pis pour le machin, là. Hein. C'est le genre de truc que tu peux choper que quand tu sais qu'il est là, j'imagine. Pour me lester. Ouais. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit très ambiance d'Omac comme jeu. Je suis pas sûr. Pas sûr. Pas sûr, sûr. Hop. Oula. Ah. Eh ben le voilà le Domac. C'est bon. Voilà. On l'a trouvé. Salut Lula. Le dommage a été consommé, exactement. Exactement. Tu vas voir ce que je vais en faire, moi. De ta caillasse. Attention, c'est parti. Bam. Voilà. Tu peux devenir un yeah. Yeah, baby. Yeah, baby. Coucou, Val. Merci pour ton raid, l'ami. Salutations. Coucou, Baka. Merci, Antares, pour le toasty. Coucou, Shovelcare. Salut, Jadranka, pardon. Salut, Antares. Hello, coucou, Claire Polaire. Télétransporté par Val. Mais oui, merci pour le follow, Shovel. Comment ça a été, ce quiz de culture générale? Oui, il est très sympathique. Il a l'air très, très joli. Effectivement, je le découvre ce soir. Comment ça a été, alors? Qui a gagné? T'as fait deux erreurs. Ah là 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 là. Ah là là, bah oui, mais en même temps, Val, un quiz
sans erreur ne serait pas un quiz. Hein ? C'est toi qui as gagné, Jadranka. Eh ben écoute, félicitations. Félicitations. Coucou Laura ! Comment va ? T'as mis que Luke Skywalker était Dark Vador. Quoi ? Ceci, mon cher Valranox, est une... monumentale erreur. Jugez-le. Jugez-le, tellement fort. Ah là 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 là. Bien mais pas facile. Eh bah, comme toujours. Hein. Hop. Coucou, arc-en-ciel... attends, arc-en-ciel... Arc-en-ciel Lias Phoenix, pardon. T'as fini à moins 43 000. Moins 433 000. Ouh, moche. Moche. Bah, l'essentiel, c'est de participer, on va dire. On va dire ça. Hein. Spationaute qui fait une erreur sur la vitesse de la lumière, ça passe pas. Ah non, c'est dur. C'est dur. Ah ouais, non, mais non, non, mais Luke Skywalker qui est Dark Vador, quoi. Sérieusement, Val, sérieusement. Ça va, ça va que tu es une personne sympathique. Donc on te pardonnera pour cette fois. Mais fais gaffe. Fais gaffe à ton cul. Ah, d'accord. Oh, ok. Du coup, je peux avancer contre le vent. Et si on était plusieurs, on pourrait faire une horde. Et on s'appellerait la horde du contrevent. Ce serait incroyable. Repose-toi. Ouais, bien sûr. Bah, surtout qu'en plus, ce matin... comme tu dis, Syrah, enfin ouais, on l'aime. Et puis ce matin, il a fait le... Il a fait son talk show avec Cécile Osorus. Donc voilà quoi, il a pas mal enchaîné aujourd'hui. Hein. Donc il a bien gagné le droit de se reposer. C'est beau, hein. Samedi soir, spécial dessin animé avec Papa Blender. Bah, avec plaisir. Après, samedi, je travaille, donc je serai pas dispo avant peut-être 19h30, 20h, quoi. Mais oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Il se saigne aux quatre veines, le pauvre petit. Ouais, après, tant qu'il se saigne pas aux quatre saisons, ça va. Ça va. Mais oui, avec grand plaisir. Il commence qu'à 21h. Ok. Mais après, ce que je veux dire, c'est si tu veux faire un test son pendant la... genre en fin d'après-midi et tout ça, ce sera pas possible parce que je serai au travail. Alors on ouvre à 10h, on ferme à 18h. Après, le temps de faire le ménage et le rangement, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà. Voilà, voilà. Mercredi, tu vas être une princesse Disney. Ouhou. Je sais que je peux casser le truc. Hein. Je veux juste vérifier avant à droite s'il y a des choses. Il y a sûrement des choses. Il nous a promis la perruque de circonstance. C'est qui ce circonstance? Je ne le connais pas. Bon allez, vas-y, on va voir par là. Oula. Oh là là, tu le sens que ça craint ça? T'as pas promis. Ça craint du boudin ici. Ah, et merde. Fallait peut-être aller à droite d'abord. Fallait peut-être aller à droite d'abord. Merci Jadranka. Merci pour le follow. Bienvenue. Bienvenue. Après, niveau humour, si t'apprécies celui de Val, a priori, il devrait pas y avoir de problème avec le mien. Merci, Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, Lias Phoenix. Arc-en-ciel, Lias Phoenix. Ouf, pas facile à dire. Mais merci pour ton follow également. Putain, il fallait que j'aille à droite, sûrement. Putain, j'ai merdé comme un gland. Ah, ça va être tout noir. Enfin, ou tout gris. Je sais pas. Oh, 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 que c'est joli. Merci. Oh là là, mais c'est trop beau comme truc ça.
Regardez ça. Il y a les petits audios qui me suivent. Les sous-titres sur le pseudo sont en PLS. Oui, les sous-titres, ouais. Alors, vous pouvez les désactiver, hein, s'ils ne vous sont pas utiles. Vous pouvez totalement les désactiver. Mais voilà, mais j'ai eu envie d'installer ça pour les gens qui pourront en avoir besoin. Des fois, ça donne des trucs un peu chelous. Mais c'est toujours mieux que rien. Ils sont beaucoup les osios là à me suivre. Ils sont très très nombreux. Dessin, musique, c'est à la fois beau et apaisant. Oui. Ouais, ouais. Et puis en plus, en ce moment, Jadranka, j'ai très envie de faire des jeux un peu dans cette veine. Enfin, un peu... Ah, d'accord. Un peu tranquille, entre guillemets, parce que bah, je sors de pas mal de gros jeux. Et du coup, j'ai besoin un peu de trucs un peu plus... De jeux un peu plus courts, un peu plus... ouais, un peu plus tranquille, quoi. Oh la vache. C'est quoi comme jeu, Lula? C'est Gris. C'est un jeu qui s'appelle Gris. Et il est très très joli. Faut que tu fasses journée. Il est très chouette, Valranox. En plus, il se fait en 2 heures à peine. Il se fait en 2 heures à peine, Journey, donc non, c'est vraiment très très cool. Et alors avant, pour tout te dire, Jadranka, ces derniers temps, j'étais sur Céleste, que j'ai mis beaucoup plus de temps à faire que ce que je pensais, mais ça c'était plutôt agréable. J'ai commencé Dark Souls, et surtout, je suis sur la trilogie Witcher depuis plus d'un an. C'est-à-dire que pour les 5 ans de la sortie du 3 l'année dernière, je me suis lancé dans la trilogie. Et du coup, en 6 mois, j'ai fait les 1 et 2. Et je viens tout juste de finir le 3 sans les DLC, sans les extensions. Et avant de m'y mettre, j'ai envie de me poser un petit peu avec des jeux un peu chill, un peu tranquille. Avant de vraiment me relancer dans les extensions. Donc voilà. J'étais sur des gros gros jeux ces derniers temps. La poncée Dark Souls 3, les 3 Witcher aussi. Mais voilà, tu vois, après Dark Souls, j'en suis qu'au début. Hein. J'en suis qu'au tout début de Dark Souls premier du nom, donc voilà. Un peu là. Bon, on va aller par là. Hein. Allez hop. Mais ouais, Witcher 3, même si j'adore le jeu, j'adore la saga Witcher. Hein. J'avais besoin de faire une pause. Surtout qu'en plus, je prévois de faire après, comment il s'appelle, le jeu avec du Gwent, là, où on incarne la reine de Sintra. Je sais plus. Je sais plus. Mais bref, j'ai prévu de faire celui-là aussi, et donc voilà, ça va prendre du temps. Ça marche, Castelmark, bonne nuit, copain. A plus. Oh, je crois qu'il faut monter par là. Si c'est tout doux comme journée, tu vas kiffer. Bah, ça a l'air tout doux, ouais. Ça a l'air tout doux, Gris. Si tu bloques sur un boss du 3, tu peux te demander. Oh, non, mais t'inquiète, de toute façon... Dark Souls, c'est un jeu, comme j'explique souvent, que j'essaye de faire depuis de nombreuses années. Et à chaque fois, je le rage quit parce que, à mes yeux, il manque certaines infos. C'est un jeu qui te donne trop peu d'infos sur certaines choses. Du coup, au bout d'un moment, ça me saoule. Et là, j'y joue avec des gens qui connaissent le jeu, donc du coup, qui peuvent me backseat quand j'en fais la demande. Donc voilà. Oula, attention. Ok. Ça me Dark Souls, exactement. Exactement. Ouais, non, mais voilà, c'est... Thronebreaker, Pika, exactement. Merci beaucoup. C'est ça, Thronebreaker. Salut Shovel, bonne soirée, bonne nuit à toi et merci encore pour ton follow.
À une prochaine. Ça va casser, ça. Ça va casser. Ouais, non, et Dark Souls... C'est pas toujours évident, quoi. Mais je le ferai. J'y arriverai. Hop là. Oh ! Ok. Il y a un truc par là ou pas ? Merde. Est-ce que... Hop ! Ah ouais ! Ok, ça fait rien. Et oui, il est là, Val. Il a lancé un raid, ce gros ouf. Il a lancé un raid et du coup, bah, il est là avec plein de gens. C'est un bon, bah oui. Notre cher spationaute. Ok. Ah, ça marche pas par là. Ok. Allons-y. Qui a gagné le quiz? C'est Jadranka qui a gagné le quiz. GG à lui. Le GG. Ah, j'ai trouvé la... le truc. C'est tellement beau. Elle, pardon. Pardon, ok. Désolé. Ah, difficile de... C'est difficile de genrer les gens à travers un pseudo. Mais confuse. Mais, oh, je peux descendre. Non, mais laisse-moi descendre. Ah, peut-être il faut que je casse. Pas du tout. Peut-être il faut juste que je descende. Comme ça. Ah, il y a un truc plus bas, là. Regarde ça. Ok. En famille, on n'a pas réussi. Ah, c'est pas toujours facile. Hein. Pas toujours évident. Qu'est-ce que... Ah, bah oui. Mais bien sûr. Mais oui. Ah. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Voilà. Par contre, hop, je vais retourner voir par là. Tout le monde soit d'accord, Arc en solo, on est vite d'accord avec soi-même. Ça dépend, il y a des gens, ils peuvent mettre des années hein, avant de se trouver et de s'accepter. Donc même ça, même avec soi-même, c'est pas forcément évident. On parie que c'est un truc dans ce genre-là. Ah mais non mais voilà. Hop. Hop. Y'a quoi par là? Hop là. Oh, il y a un bonus. Excellent. Regardez ça, je l'ai trouvé. Il est à moi. Ah merde. Oups, j'ai tombé. J'ai tombé. J'aime pas trop ça. Hop là. Mais oh, mais arrête de faire le cake comme ça là. Il ne fallait pas tomber. Désolé. Désolé. Vous êtes terriblement déçus toutes et tous. C'est pas mon intention. C'est bon. Hop là. J'ai pas sauté. J'ai volé. Non. T'es tombé. Ok, let's go. Ok, let's go. Allez. Voilà, ça c'est bon. J'aime bien ce petit truc de passerelle là, j'aime bien. J'aime bien ce machin. Ça trop chou. La musique est fantastique. Mais tout, de toute façon le jeu est beau. Hein. C'est... Je sais que quand j'avais vu sa bande-annonce, quand... Au moment de sa sortie, la DA m'a tout de suite donné envie d'y jouer.
C'est essentiellement pour ça que j'ai acheté le jeu, c'est parce que il est beau, putain, il est beau. Oh, les revoilà. Mes petits Ozio. Allez, on casse tout. Ok. Ok. Ah. Gauche ou droite. Y a pas... On est d'accord, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Non. Ah. Ah. On dirait des petits cœurs qui volent. Oh. Eh ben j'ai bien fait. J'ai bien fait d'aller à droite parce qu'il y avait un bonus. Alors du coup j'ai le bonus. Ça c'est plutôt cool d'avoir un bonus. C'est toujours mieux que d'avoir un malus. Ou que d'avoir malocus. Merde. Pas de map. Eh non. Eh non. Voilà, je l'ai cassé. Ça sert à rien, mais il fallait que je le fasse. Ok. C'est stylé, les petits mécanismes et tout là. Je débloque bientôt le BFG pour faire un trou à la surface de Mars. Eh, c'est pas le même jeu. C'est pas le bon univers, Pascal. Ok. Hop là. Alors. Bon bah. Allez. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ouais. Ah oui, c'était vachement utile ce que je viens de faire. C'est vachement utile. Alors là, en ce moment, Jadranka, c'est l'été. Donc je stream un peu quand j'ai envie, quand j'ai l'énergie. Mais en règle générale, au niveau du planning, c'est les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Voilà. Mais ouais, c'est là en ce moment, c'est comme c'est l'été, qu'il y a moins de monde, que je suis fatigué et tout ça, et que je bosse un peu plus. Voilà. Donc après, le meilleur moyen de savoir quand je stream, c'est bah, d'activer les notifs, c'est de me suivre sur les réseaux, ce genre de truc, parce que j'annonce toujours les lives. Donc voilà, mais ouais. Et en général, à partir de 21h. Jusqu'à à peu près 1h du mat. Ça roule, bah bienvenue. Bienvenue sur le Discord. Comment je vais faire là? Hop. Et du coup voilà, en ce moment on est plutôt sur du jeu chillax. Parce que ça fait du bien. Pas comme ça. Peut-être. Non. Non. Mais bonne nuit à toi alors, si tu vas te reposer. La bonne nuit, merci pour ton passage, ton follow, et à bientôt chez Val ou ici. Avec plaisir. Aïe. Ah d'accord. Voilà, j'ai trouvé, j'ai compris. Attends, mais t'envoles pas trop. Stop, vite. Fonce. Et merde. Putain. Voilà. Hop. Ah putain, non. Je l'ai loupé. Quelle fréquence du 120 Hz. Mais tu sais que c'est drôle, ça. Bonne nuit, Véno. Bonne nuit à ceux qui partent. Hein. Reposez-vous bien. Merci de votre passage. Bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à lâcher un petit follow si ça vous fait plaisir. Les physiciens en PLS quand je change ma masse. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais. Ça doit pas leur plaire des masses. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? En même temps, c'est un jeu vidéo. On s'en fout.
on fait ce qu'on veut dans les jeux vidéo. Je suis sûr qu'il y a une course, un truc. Et toujours là. Ah, d'accord. Des fois, j'avoue, je sais pas trop. Quand les gens disent je vais me coucher ou quoi. Donc, dans le doute, je souhaite la bonne nuit. Allez, vite! Vite! C'est bon. On est passé. Et ça se trouve, c'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille pour l'instant. Ou alors, il y a peut-être un autre bonus. Eh, c'est ça, il y a un bonus. Regardez ça, comme je suis trop fort. Oh là là. Les physiciens, qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leurs cordes et leurs particules? Exactement, non mais... font chier avec leur science, là. Oui, telle chose peut pas fonctionner de telle manière à cause de telle loi, machin... C'est bon, quoi. Particule fondamentale de la matière et la pépite de chocolat. Prêt à te battre pour défendre cette opinion. Oui. Pourquoi pas. Après, comment en es-tu venu à cette conclusion, mon bon Taskern? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est la pépite de chocolat? Est-ce que tu as une démonstration à nous faire? Ça marche, Baka. Ça marche. Bon lurk, bon sommeil. Que la nuit te soit douce. Bah, t'aimes bien le chocolat. Ce qui est un argument totalement valide. Merci pour cette démonstration scientifique, mon cher Taskern. C'était ma foi, assez incroyable. Apparemment, l'univers a le goût de framboise. Oui. Oh. Donc ça se marie bien avec le chocolat. C'est vrai. C'est vrai. Le principe de Taskern. Et voilà. Il est fort, ce Taskern. Tes informations... toutes tes observations corroborent ce principe, donc ça passe. Mais c'est fantastique, ça. Oh, merci! Oh, il est gentil, lui. C'est mon ami. Vous avez vu? Je vais l'appeler Pierrot. C'est mon ami Pierrot. Allez, on redescend. Tu peux même pondre un petit test avec une P valeur... ouais, c'est pas faux. Un souverain rara. Allez. Oh, très joli. Pierrot, parce qu'il soulève des pierres. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Hop. Hop. D'ailleurs, en parlant de notre souverain Rarin, demain, je retourne le voir. Je retourne voir Kaamelott pour la deuxième fois demain. Parce que une fois, ça n'a pas suffi. Donc voilà. Et il y aura sans doute une troisième, je pense. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que Kaamelott devienne le film que je vais être allé voir le plus au cinéma. Parce que je l'ai beaucoup aimé et parce que je pense qu'il faut absolument soutenir ce film. Pour qu'on puisse avoir les suites et pour prouver aux producteurs en France que qu'on peut faire que enfin que le cinéma fantastique épique et tout ce que tu veux fonctionne en France, qu'il y a du public pour ça. Donc voilà, c'est pour plein de raisons j'ai envie de retourner voir ce film. Je vais y retourner, mais t'as pas le pass sanitaire. Ah, et malheureusement. Après, il y a peut-être... regarde, Lula, je sais qu'il y a des cinémas qui sont pas obligés de le mettre en place si jamais... enfin, si s'ils vendent pas plus de 49 places.
S'ils abaissent leur jauge à 49, j'ai vu qu'il y avait des cinémas qui étaient autorisés à pas le mettre en place, donc peut-être, je sais pas. Après au pire bah tu vas te faire tester et puis voilà quoi. Éventuellement. Physique c'est que des hypothèses, c'est nulos. Alors qu'en maths on commence par affirmer que ce qu'on veut est vrai, on a raison quoi qu'il arrive. Possible. T'as besoin d'un aquali, est-ce que mon ami Pierrot veut bien rencontrer ton Evoli? Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Ah là là. Ça n'aidera pas plus. Si. Et il fait un carton le film, hein, mine de rien. Il fait un carton le film, hein, donc. Il y a moyen. Quelqu'un nous attaque dessus, on règle ça au duel ou au shot. Duel de shot, carrément, Pascal. Lyon, t'es pas sûr de trouver un ciné qu'il fasse. Ouais. Ouais, voilà, comme j'ai dit, hein. Après, je pense que celui-là. Il doit falloir le faire de beaucoup plus haut. Ouais. Ouais, voilà, hein, y a toujours possibilité de se faire tester, hein. Il fait un carton parce que c'est Camelot, pas parce que c'est de l'héroïque fantasy. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, un film comme ça, qui serait pas estampillé Camelot, fonctionnerait pas. Mais comme c'est Camelot, tu vois, il y a une chance de montrer que bah, y a du public pour ce genre de film. Parce que le film est aussi prévu pour attirer des nouveaux spectateurs qui connaîtraient pas forcément la série. Donc voilà, y a plein de choses à jouer. Par rapport à Kaamelott. Il y a plein de choses qui se jouent. Hop, je suis sûr qu'il y a un... Oh, c'est beau. Attention. Timber. Voilà. Kowabunga. Et voilà. Eh mais moi c'est sûr, ouais, j'y retourne demain et je vois plus rien. Et j'essaierai de retourner le voir une troisième ou une quatrième fois, enfin bref. Tata yo-yo. La petite référence à Reflet d'acide qui va bien. Et il plaît aussi aux gens. N'ont pas vu la série. Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, Astier recommande de voir d'abord le film, ensuite la série, puis re le film derrière. Attention. Ah. Oh là là. Oh là. Oh. On a retrouvé maman. J'ai soif. La manette. Qu'est-ce qui t'arrive, Taskian? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, une nouvelle couleur. Mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière. Ouais. Une couleur a été retrouvée. C'est beau! Que c'est joli! Ah non, mais c'est trop ouf! Hein. T'as pas copié, donc t'as pas collé les bonnes choses. Ouais, bah je ne sais pas ce que ça veut dire. M-stildmes. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a sans doute une signification dans... pour d'autres personnes, mais pour moi, ça n'a aucun sens. J'ai aucune idée de si je vais du bon côté. Je vais retourner là-bas, à mon avis. C'est du cold. Du cold pour un M tilde. Dollar.
D'accord. Ok. Ah bah là, ok, oui, non, bah j'avais pas le choix en fait. Bon bah, c'est réglé. Youpi! Oh, ces changements de couleur là. C'est beau! Que c'est joli! Oh, j'ai libéré les papillons! Libérer les papillons! Libérer les papillons! Hop! Tu travailles en même temps, il y a plein de trucs random dans ton presse-papier. Ah oui, oui, j'imagine, oui. J'imagine. Ah, mais attends, on est revenu. Attends, mais je connais ce truc. On n'est pas revenu au début, là? On est totalement revenu au début. Ah putain, t'as vu, il m'en manque juste un. C'est rageant quand même. C'est hyper rageant. Il faudra que j'y retourne. Il travaille sur sa thèse. Oh, il va y avoir des choses à compléter. Il va y avoir des choses à compléter. Demain aussi, à 8h, c'est les 6 derniers mois, c'est tendu. Ah! Bah bon courage, hein, Taskern. Parce que... écrire une thèse... c'est pas facile, hein. C'est pas évident, ça. C'est pas... Bon, là, je peux pas passer encore. Dans 6 mois, tu seras un elfe libre. Tu pourras affirmer que tu es le docteur. Ouh, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu seras docteur. Docteur en quoi, alors? Du coup. Non, ça fait rien, ça. Ça marche, Antares. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. À une prochaine. En IA pour le coup. Ah oui, tu m'en avais parlé. T'en avais parlé, il me semble, une fois que tu faisais ça. Ça m'est sorti de la tête, mais confuse. T'auras plus le tarif étudiant. Eh non. Bah déjà, quand tu vois que quand tu dépasses les 20, quand t'as 26 ans, t'es plus dans la catégorie jeune. dans pas mal de commerces. Ça chamboule un peu les choses. Le monde va pas se libérer tout seul avec un Hivemind robotique de l'amour. Ouais. Ouais, non. Je sais pas ce que c'est un Hivemind, mais je te fais confiance. Bon. Voilà. Et là, on saute comme un kéké. Ou alors, on casse ça. Non. Bah. Allez, je saute! Les esprits ruches type Skynet. D'accord. Skynet. Rodenset, tu seras pas un vrai docteur. Alors, il sera pas médecin. Il sera pas docteur en médecine. Il sera docteur en intelligence artificielle. Il est magnifique, ce jeu. Oui, Lula, oui, il est magnifique. Absolument. Je sais pas du tout si je suis parti dans le bon sens. C'est terrible. Ah non, mais c'est tellement beau. Regardez-moi ça, quoi. C'est juste fantastique. Regarde ça. Oh là là. C'est des tableaux, c'est des putains de tableaux. C'est un truc de ouf. On est tous en train de simper là. Ah oui, non, mais moi je trouve ça dingue, quoi. Genre, là, franchement,
Moi, là, tu me mets là comme ça, tu vois, genre, je mets le perso... Là, je suis capable de faire ça. Et je pourrais rester de longues minutes à regarder et juste à apprécier la beauté de cet écran, quoi. En plus, avec la petite musique en fond, c'est ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est vraiment magnifique, ce jeu, quoi. Du très organisé en fond, sans dire, ce serait pas la même. Non. Et là, il y a un nouveau truc. Hop. Des nouvelles plateformes. Alors, je suis sûr qu'il y avait un truc sur la droite que j'ai loupé. Du coup, je suis parti à gauche en me disant qu'à droite, il n'y aurait rien. Et je suis sûr que j'ai loupé un truc, du coup. Tant pis, j'irai le chercher une autre fois. Allez, hop. Le chill est là. Ouais. Hello there. Merci pour le follow, Parnois. Parnoy. Je peux pas monter. Bienvenue. Tiens l'autre. C'est beau, puté. Que c'est beau. Oh là là. Oh là là, mais... Oh là 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 là. Je vais pas vouloir avancer. Ah non, mais les couleurs, tout, les... C'est un truc de malade, quoi. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Hein. J'ai jamais vu un jeu comme celui-là. C'est... avec le BG qui parle. Ouais. C'est vrai. Il raconte beaucoup de conneries quand même, hein, le mec dans son... Dans sa petite case, là, comme ça, là, toute carrée, là, il raconte beaucoup de conneries. Des fois, elles sont drôles. Des fois, non. Mais bon. On fait avec, hein. On fait avec. Regarde ça, c'est tout fluide, c'est plus filiforme, c'est bien. J'aimerais avoir le talent de ceux qui font ça. Ah, avec de l'entraînement, il y a moyen de faire beaucoup de choses. J'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas forcément le plus haut skill de dessin, mais qui en s'entraînant l'ont développé. Merde, j'ai tombé. Pour tout talent, il y a une part de travail énorme. Le talent, si tu le travailles pas, il est pas suffisant. Ah, mais tu vas trop vite! Un jeu qui est presque aussi cool à regarder qu'à jouer. Bah, à jouer, en tout cas, moi, je... Ah, je suis détente, là, mais de ouf! Imaginez même pas. Hop! Et voilà!
On a du talent, on se doit d'en tirer profit. Bah ça s'entretient quoi. Ça s'entretient et ça se développe le talent. C'est pas le mood de Céleste. Non, bah c'est-à-dire que Céleste, le mood... en plus, Céleste c'est quand même un jeu sur la dépression. Oh regardez, il mange une pomme toute carrée, c'est trop choupinou. Donc c'est sûr. C'est sûr, c'est pas du tout le même mood. Mais bon. Regardez, il est trop mignon. Attends, on va jouer. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Il est vachement fort, hein. 1, 2, 3, soleil. Oh, dans pomme. Le prof d'art plastique te disait souvent que c'est pas une question d'inspi ou de talent, mais d'univers et de travail. Ouais, c'est pas déconnant. Après aussi, tu vois, je pense que, comme pour beaucoup de choses, tu vois, le dessin, il y a des choses qui vont te parler, qui vont te motiver plus à développer que d'autres. Tu vois, il va y avoir des choses qui vont t'inspirer et du coup, sur lesquelles tu vas avoir une certaine aisance à travailler dessus. Et puis d'autres non, tu vois. C'est, y a des formes de dessin qui sont plus inspirantes que d'autres. Il y a des gens, ils sont plus sur des choses abstraites. T'en as, ils sont plus sur des trucs assez concrets. Faut trouver ce qui t'inspire, quoi. Vachement inquiétant, Agus, qui te suit dans une forêt, qui s'immobilise quand tu te retournes. Ouais. Il a l'air tout gentil, il mange des pommes. Il peut pas être méchant. Et puis t'as vu, il a trois petites feuilles sur le haut de la tête. Il est forcément gentil. Ou alors il veut regarder sous ma robe. Et là, pour le coup, c'est pas cool. Là non. Là, faut pas faire ça. C'est pas bien. Hop. Hop. Oh ! Attends. C'est pour lui, ça. On peut le nourrir. C'est trop cool. Regarde, on peut le nourrir. C'est énorme. Oh, c'est génial. Oh, c'est que de l'amour. C'est que du bonheur. Incroyable. Allez. Eh ben, let's go. Nourris-moi, humain. Arrive pas à faire des dessins représentatifs, c'est bien abstrait, tout droit sorti de ta tête. Eh ben c'est cool. C'est super cool. Et tu les publies quelque part tes dessins? Tu les mets, je sais pas, sur Instagram, sur Twitter, quelque chose, ou tu les gardes pour toi? Est-ce que t'as envie... Insta? Cool. Bah, hésite pas à le balancer, hein. Vas-y, hein, si tu veux. Si tu veux mettre le lien de ton Insta ou le. Ou le hat, vas-y, hein. N'hésite pas, moi j'ai bien envie de voir. Du coup. Il est parti où? Ah, oh, il a fait un trou. Il est en privé sur Insta, d'accord. Ça peut se comprendre. Où est-ce qu'on va comme ça? Oh, il va trouver une autre pomme. Little Greenwich. D'accord. Faut j'aille voir par là d'abord. Je ne peux pas. Tac. Allez, descendons. Bah alors? Oh! Ah ouais! Ah, du coup, il m'imite! Oh, c'est trop bien! Regarde! Il fait la même chose que moi! Juste.
faire un truc. Sinon, je vais oublier. Hop là. Tac. Ok. Hop, je l'ai ouvert. Paf. Allez, saute. Nourris-moi, humain. Allez, viens. Voilà. Et là, tu grimpes. Super. Oh. Et ah, mais non, mais je vais lui monter dessus, du coup. C'est ça? Ah non, ok. Ah, il peut mourir des passages. Putain, c'est mon nouveau meilleur ami. Faut lui trouver un nom. Avec ses petites papates. Oui, ses petites patounes. Faut qu'on lui trouve un nom. Pomme-pomme. Pomme-pote. Non, non. Oh, mais si, il mange des pommes et c'est mon pote. Pomme-pote. Feuille. Ouais, pomme-pote. C'est bien aussi. Il mange des pommes et c'est mon pote. C'est pomme-pote. Pomme-pote le despote. Non. Malicia est douée en dessin. Oui. Tipote. Tipote, il y a un côté tripote quand même. Hein. faut pas mal le prononcer. Oui, Malicia, elle dessine super bien. Je sais pas si vous avez vu le portrait qu'elle est en train de faire de Magla. Il est trop cool. Stanley, c'est le chat de Corsam. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur Corsam de Corsam Live. Ah bah, il est grimpé, lui. Comment il a fait? Par où il est grimpé? J'ai pas compris. Comment il a... Bon, c'est pas grave. Avançons. Il est monté par où? J'ai pas tout compris, mais pourquoi pas. Hop. Je peux casser un truc. Je peux casser un truc. Oh. Oh. Ah, d'accord. Coucou. Oh, mon petit pote. Mon petit père. Allez, on continue, viens. C'est parti. Super. Eh, ah, j'ai cru qu'on l'avait perdu. Ah non, hein. Ah non. Eh, reviens. Oh non. Oh, ça va, il va bien. Ouf. Ça marche, Taskern. Bonne nuit à toi. Et merci d'être venu. Repose-toi bien. On va continuer encore un petit peu, je pense. Oh, il mange sa petite pop-pomme. Scronche, scronche, scronche. Scronche, scronche, scronche. Bah oui. C'est bon, les petites pommes. Les petites pommes carrées. Allez, viens, pomme-pote. Il est trop mignon. Ça marche, Aldorn. Bonne Inuit. Reposez-vous bien. Il est parti. Il est parti. Bah non. Il m'a abandonné. Pourquoi il est parti? Il va peut-être revenir. Peut-être il va revenir. On ne sait pas. Il peut pas m'abandonner comme ça. C'est pas possible. Hein? Bah non. Il peut pas m'abandonner comme ça. C'est pas vrai. En vrai, je suis triste. Merde, je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Il y a sûrement un bonus quelque part.
Je sais pas où. Allez, dites-moi qui revient. Où est-ce que je vais ? Qu'il revient. Oula ! Ouh. Ah d'accord ! Oh ! Oh, excellent ça ! Ça change quand on saute ! Mais c'est trop bien ! C'est trop stylé ! Garde. Oh, c'est génial. Enfin, c'est tout bête hein, comme mécanique. C'est un truc qu'on a déjà vu, mais je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve ça trop cool, là, comme ça, présentement. Oula. Voilà, petit bonus. C'est reparti. Ok. Ah. Et voilà. C'était pas compliqué. C'était pas très compliqué. On y retourne. Bon bah du coup, fallait bien aller à gauche. Maintenant, du coup, on va aller à droite. J'imagine. Voilà, tac. Il m'en manque un. Donc, direction... la droite. Hop. Et... et là, il y a quoi? C'est par là ou pas? Waouh. Il y a rien, là? Je me balade, hein. Donc, voilà. Ah, d'accord. Ok, oui, ça... en... ok. C'est un raccourci, a priori. Carré. Oh, ça va! Il est même pas minuit. On a le temps encore d'avancer un petit peu dans le jeu. C'est cool. Oh! Regarde, il y en a d'autres. Ils... ah non, j'ai tombé. Regarde, ils sont trop mignons, ils sont tout ronds. Ça, ils me font coucou. Oh, ils sont trop gentils. Regardez ça, comment ils sont trop polis. Ils me font coucou. Coucou. Oh, trop mignon. Regardez ce que je sais faire. S'en foutre. Salut. Vous avez pas vu mon ami? Vous avez pas vu Pompot? J'ai perdu Pompot. Oh! Il est là! On l'a trouvé! Pompot! Je suis trop content de te retrouver. Tu crois que c'est sa famille? Tu viens pas? Oh. Pourquoi il... bah, il est avec les siens, quoi. Il est avec sa famille. Oh. Merci, pomme pote. T'es un vrai pote.
On n'aurait pas avancé sans lui. Zou. Une nouvelle couleur. Non? Oh! On va pouvoir voler? Trop bien. Ah! On a un double saut. Excellent. On a débloqué le double saut. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Hop! Regardez ça, tout en souplesse. Hop! D'accord. Ok. Hop! Allez. C'est bon. Ouh. C'est beau, mais putain que c'est beau. Je vais répéter ça pendant tout le jeu. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Au cas où vous auriez pas compris. Je vais pas arrêter de dire que c'est beau. Parce que ça l'est. Là, c'est plus beau que mon lavabo, ça c'est sûr. Et déjà, quand même, niveau de beauté assez exceptionnel, mais... Oh, trop bien! Ah ouais, d'accord. Oh. Oh, trop stylé. Ça permet de trouver des trucs cachés. Oh, excellent. Ah, c'est pour ça que je farfouille partout quand je joue à un jeu, moi. Il y a toujours des trucs à trouver à droite, à gauche. C'est trop bien. Ouais. Bah ouais. Hein. Et j'ai toujours raison, de toute façon. Même quand j'ai tort. Hop. Tout en douceur. Ah non, merde, je me suis trompé le bouton. Le problème, c'est que toi aussi... Ah, toi aussi ? Bienvenue. Écoute, cher ami, dans la confrérie des gens qui ont toujours raison. Voilà, c'est un plaisir de savoir que vous faites partie de l'élite. On va faire une fracture de l'espace-temps si on n'est pas d'accord. Ah, c'est possible. C'est possible, mais a priori, ça devrait aller. Merde. J'ai merdé un truc. Où j'arrive à les choper au passage. Voilà. Ah, merde. Je suis sûr que je peux aller à droite. C'est obligé, je peux y aller. Mais pas comme ça. Voilà. Là, il y a un truc par là, là, c'est obligé. Là, voilà, là, il y a un trou. Hop. Et le petit bonus qui va bien. Zou, parfait. Et là, du coup, le truc pour remonter.
Voilà. Excellent. Excellent. Aller par là. Ta sœur t'a offert une réédition d'un livre que tu aimes énormément, L'art de la guerre de Sun Tzu. Également un autre livre, L'art d'avoir toujours raison. Je sais pas trop comment le prendre. avec les mains. Un livre en général, ça se prend avec les mains, Steam Gentleman. Voilà. De rien, c'est cadeau. Si t'as besoin d'autres conseils dans la vie, n'hésite pas à demander, je me ferai un plaisir de t'aider. Voilà. Oh là là. C'est beau, bordel, que c'est beau. C'est dingue. C'est dingue. Depuis le temps je m'emmerde avec les doigts de pied. Ah bah après avec les doigts de pied c'est possible. Si t'as des pieds de singe avec un pouce opposable, tu peux lire avec les pieds, hein. C'est pas un problème. C'est tout à fait possible. Moi je rêverais d'avoir des pouces opposables aux pieds, hein. Moi si je pouvais avoir des pieds de singe, ce serait trop bien. Je grimperais partout. Mais genre partout, partout. Je suis sûr qu'il y a des trucs par là. Hein ? Eh ben non. Il y avait rien. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Hop. Hop. Voilà. Des confessions étranges. Mais quoi, mais c'est trop stylé avec... Non mais... C'est trop stylé les pieds de singe. C'est comme s'ils avaient quatre mains. Du coup, ils peuvent attraper trop de trucs. En vrai, ce serait stylé. Ce serait stylé qu'on... Qu'on ait gardé nos pieds de singe. La nana dans Aeon Flux, je connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, en plus, genre, il y a pas longtemps, là, je me suis refait la trilogie de la planète des singes avec Andy Serkis. Mais ils sont trop cool les singes. Ils sont incroyables. Oh là là. Attendez, attendez. Je vous laisse vous faire un petit kiff. Faites-vous un petit kiff là. Petit orgasme visuel. C'est bon ? Vous avez joui des yeux ou pas ? Je reviens. Film de SF plutôt moyen, mais pas trop mal. Et il y a une nana qui a les pieds modifiés comme des mains. D'accord. C'est bon. Veno... Planète des singes avec Andy Serkis sont fantastiques. Et ils vieillissent vachement bien en plus les films. Les effets spéciaux sont encore ultra quali. Hein. Après, sur les trois, moi le troisième m'a un petit peu moins convaincu que les deux autres. Pour moi, le meilleur c'est vraiment le deuxième, mais c'est une trilogie absolument incroyable. Pour le coup, un reboot, c'est vraiment un reboot slash remake.
qui a été bien fait, quoi. Tu sens vraiment que les mecs, ils se sont creusés un peu la tête avant de te pondre un truc juste pour le pèse, quoi. Donc ouais. Ah, ils sont incroyables, quoi. Et... Oh, pas passé. Ok. À droite. Zou. Oh là là là. Ça marche, Lula. Bonne nuit. Merci d'être passé. Et à bientôt. Bisous, bisous. Oh là là. Oula, qu'est-ce que c'est? Waouh. Hey, gros osio. Gros le pigeon. Ah merde. Je crois qu'il nous aime pas. Attends, genre il y a un combat de boss? Non, on déconne pas. Oula, oui, non, il y a totalement un combat de boss. Parce que pourquoi pas. Et il est pas content. Il est pas content, le pigeon. Gros pigeon pas content. Hop là. Hop. Tac. Ah, je peux pas passer. Merde. Merde. Vite. Et je peux pas aller là-haut, là? Non. Bon bah. Allez. Non. Putain, qu'est-ce que... Non. Eh. C'est bon là. Tu vas pas me la faire à chaque fois. Merde ça. Tu m'auras pas, ça caproute. Ça le jompi. Zoupi, youpi, ya. Allez hop, on avance. The Bandit. Oula, 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 ça craint du boudin là. Ah, salaud. M'a fait peur. M'a surpris. Je peux casser un truc? Non, je suis caché. Ne trouvera pas. Il va revenir. Hop là. Hop. Je suis sûr que je loupe des bonus. Je suis sûr qu'il y a des trucs que je loupe. C'est obligé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il y a des machins, il faut savoir qu'ils sont là pour les trouver. Hop. Allez. Et hop. Voilà. Ah non, hein. Oula. Il m'attend. Allez-vous-en! Sale piaf! Est-ce qu'il y a... Ah non! Ok, non, y a pas moyen d'aller dans son sens. Et bah c'est pas très grave, on va refaire. Voilà, merci! Il est con, ce pigeon. Il m'a aidé à me balader. Je peux grimper? Non, je peux pas. Ok. Alors c'est à droite. Allons à droite. Pas mal la droite. Ça dépend. Typiquement, c'est pas ouf. Mais ce n'est pas le sujet. Ouh. Salut toi. Je t'ai vu. Et hop.
Ah! Leur voilà. Oh putain. Il va encore m'agresser sauvagement. Non, ça va. Voilà. Merde! Ah putain, quel con. C'est pas grave, on recommence. Ça va bien se passer. Allez. Voilà. Hop. C'était facile. Tac, bon, je vais aller par là d'abord. Sûr qu'il y a des trucs. Non ? Y'a rien ? À quoi ça sert alors ? Bah rien. Bon, bah, c'est pas grave. Et hop. Ouh. Oh là là. Est-ce qu'il y a un moment où le jeu il est dégueulasse ? C'est ouf. Il est toujours beau le jeu. Toujours. Vas-y, kiffez un petit peu là. Ah là 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 là. Incroyable. Incroyable. On va trouver une nouvelle couleur. Ah non. Tant pis. Ah si je peux redescendre. Je voulais voir s'il n'y avait pas un truc genre... Non. Ah non, y'a rien. On aura essayé. On aura... Pardon. On aura essayé. La 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 la. Boum. Oui, 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 oui. Tac. Allez, let's go. Voilà. Ah, il est revenu. Il est... Voilà. Comment je vais faire? Comme ça. Voilà. Eh hey, oh, oh, oh. Va-t'en. Vite. Là, comme ça. Et on monte. Merde, j'ai tombé. Hop, m'aura pas. Qu'est-ce que... Arrête de gueuler. Qu'est-ce que je dois faire? Ah d'accord. Voilà. Je dois l'énerver. Oh terrible. C'est terrible.
Il aime pas les sons, en fait. Hop. Oh là là, oh là 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 là. Putain, mais sérieusement, quoi. C'est Venom, il aime pas le son des cloches. Ouais. Pourquoi tu parles de ce personnage massacré par les studios? Oh là là. Je vais tellement pas aller voir Venom 2 au cinéma, c'est juste impossible. Après la sombre merde qu'était le premier, c'est hors de question que j'aille voir sa suite, quoi. Pas vu. Ah oh bah putain, t'as rien loupé, hein. T'as absolument rien loupé. Elle a lâché un flouze là. Tu n'entends pas les cloches. Ah non, mais dis-toi, moi, Venom, c'est un film que je suis allé voir gratos. J'avais gagné une place pour y aller. Et bah, j'ai quand même eu l'impression de me faire arnaquer. C'est impressionnant. C'est limite si j'ai pas demandé le remboursement de mon invitation, quoi. C'est ouf. Y a rien qui va dans ce film. La seule chose potable, c'est le design de Venom. C'est tout. C'est la seule chose correcte du film, c'est son design. Rien d'autre. Hop, il pleut maintenant. C'est pas cool. Même Tom Hardy. Non, Tom Hardy, il est... Non. C'est un bouffon dedans. Il y a une scène d'un malaise total dans un restaurant. Tu te dis, mais putain, le pauvre qu'on a obligé à jouer ça, tu te dis, mais merde, quoi, vous avez Tom Hardy et vous trouvez rien de mieux à lui faire faire. Non. Même Tom Hardy ne sauve pas le film. Ok, maintenant il y a de l'eau. Non, c'est... Non, mais de toute façon, à partir du moment où tu fais un film Venom sans Spider-Man, déjà, il y a un truc qui va pas dans l'intitulé. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas comme si les deux personnages étaient intrinsèquement liés à la base. Non, normalement, sans Spider-Man, il n'y a pas de Venom. Donc voilà, à partir de là, tu pouvais pas faire un truc. Tu pouvais pas. Ça, c'est cool. Les plateformes avec l'eau, là. Ils ont bien fait Joker. Ouais. Joker, après, il est lié dans le film, il est lié à la famille Wayne quand même, tu vois. Il est quand même lié à la famille Wayne. Dans Venom, il y a Spider-Man, t'en entends même pas parler. Tu vois, donc à la limite, il y a quand même un truc, tu vois. Venom, il y a rien du tout. Mais si c'était le seul défaut du film... Si c'était le seul défaut du film, et encore, tu vois, ça irait, mais non. Bref. Venom, c'est une grosse merde. Voilà, c'est tout. Ah ah! Il y avait bien un bonus ici. Comment je vais l'atteindre? Perso Dissure a forcément plus de charisme qu'un de Marvel, donc ça joue aussi. Ah, ça dépend.
Je suis en train de me paumer là. Je vais pas du tout du bon côté, je suis sûr. Je vais pas du tout au bon endroit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Non, 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 non. Je pense que c'est pas du tout par là. Enfin, si, mais après. Ouais, il y a des persos cool dans Marvel. Il y a des persos très, très cool. Le souci entre Marvel et DC, c'est que Marvel a tout sacrifié sur l'autel du fun et c'est tout, quoi. Hop là. Hop là. Sur ces par là, en fait. Voilà. Hop. C'est ça, c'est totalement ça. C'est ça, voilà. Et là? Non? Ah! Voilà. C'est bon, on a le bonus. J'ai bien fait de faire, de faire la technique du rebrousse-chemin. J'ai bien fait, je pense. Sinon, j'aurais eu un petit problème. Petit problème. Mais tout va bien. Tout va bien. Doudou, doudou, doudou. Hop. Eh, j'ai tombé. Comme un caca. Comme un caca. Un caca prout. Vous savez combien de temps il dure le jeu ou pas? Vraie question. Ou à peu près combien de temps pour le boucler? J'avais vu qu'il fallait peut-être à peu près 3-4 heures, quelque chose comme ça. Merde. Ça, c'est stylé, ça. Oh, j'aime beaucoup, ça. Le petit ricochet, là. Ça, c'était classe. Il a poncé à 100%, donc c'est faussé. Ah. C'est juste pour savoir, voilà, si... Ah oui, là, oui, c'est vrai qu'on revient à chaque fois au début. Il y a sûrement des trucs qui vont me manquer. Bon, après, si on se fie aux constellations, là... Non, c'est pas le genre de jeu que tu fais en une fois. Je pense qu'il y aura... On fera une autre session dessus. C'est clarinette. C'est clarinette. Alors, par où faut aller maintenant? Moi, je veux bien. Ou alors... Ou alors, il me manque ces trucs-là. Donc, vu qu'il me manque ces trucs-là, je peux pas continuer. Il doit y avoir quelque chose dans ce goût-là. Ah, ou alors non. Voilà, voilà, c'est ça. Je pouvais pas accéder parce que j'avais pas le double saut. Ok, d'accord. Maintenant, on va monter par ici. C'est ça. Zou! Ok, fallait aller à gauche. Hop!
Et merde, trop tôt. Foiré. Ah non, j'ai tombé partout. Allez. Hop. Hop, allez, 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 allez. Yes. C'est bon. On l'a eu. Excellent. Quoi? J'ai pas compris là. Je peux pas passer là. Pourquoi il me manque ça là? Comment je vais passer? Non. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ou alors il faut que je refasse des niveaux? Ça marche, Denzel, bonne nuit. Bon, je vais peut-être pas trop traîner non plus. Merde, j'ai foiré. Hop. Il est pas impossible que ouais. Ah, peut-être qu'il fallait péter un truc. Est-ce qu'il faut péter un truc? Non. Ah bah peut-être. Peut-être qu'il faut descendre là. Attends. On va tester des trucs. On va tester des trucs. Alors j'ai vu qu'il y avait peut-être une ouverture dans le. Dans le toit là. Donc on va tenter. Allez. Hey, yes. On va tenter. Genre là, là. Voilà. C'est quoi ça? C'est... Ok, donc c'est juste... C'est un soleil. Il faut remplir le soleil de nos vies. Comprends pas tout là. Hein? Comprends pas tout. Hein? Non, je vais pas l'avoir. C'est pas grave. On refait. Et ouf. Toujours un petit serrage de fesses quand même. Hein. Savoir si je vais le passer. Ok, mais du coup, là, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. C'est un truc que j'ai loupé. Ah non, c'est forcément par là. Par là? Ouais, mais par là... Je peux rien faire là, je peux rien casser. On va aller revoir tout à droite. On va voir. Sinon, peut-être que ça va sonner la fin de cette première partie. Ou alors, peut-être qu'il faut que je débloque tous ces trucs-là pour pouvoir atteindre le reste. Peut-être que c'est ça. C'est possible. C'est possible qu'il me manque des choses.
Par là. Par là, j'y suis déjà allé. Hop, c'est ça. Non, bah, je pense qu'il doit me manquer des trucs. Il doit me manquer des choses. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas vu. Genre là. Je sais pas. Sprung. Il me manque quelque chose là, c'est pas possible. J'ai loupé un truc, on est d'accord. J'ai aucune idée là de ce que je dois faire. Par là, est-ce qu'il apparaît? Mais par là, j'y suis déjà allé. Ah, bah voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est. Ça y est, ça y est. Allez, let's go. On va faire la tortue et après... Je pense qu'on sera pas mal pour s'arrêter. Voilà. C'est beau de ouf. Rien. Il y a encore des petites bestioles. J'ai hâte de trouver la nouvelle, le nouveau gameplay là. Le nouvel upgrade. Ok. Tac. Oh. Oh là là. Mais c'est trop beau. Hop. Allez, on glisse. Oui. Ah, ça a sauvegardé. Excellent. Hop. Hop. Tac. Ah. Oh, d'accord. Ok. Ok, 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 ok. D'accord. Donc, il y a des endroits où il va falloir bourriner pour traverser l'eau. Ok. Hop. Ok. Oh, là là. Oh putain. C'est pour vous, ça. C'est cadeau. Eh, vous avez remarqué? Quand elle est sous l'eau, le son est étouffé. Oh là là. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau.
Un peu pour... Oui, c'est pour mon kiff perso aussi. Oui. C'est pas que pour vous. Je suis pas entièrement altruiste non plus, faut pas déconner. Hein, je pense un peu à ma gueule. Mais non, mais c'est ouf, quoi. Ça fait du bien, quoi. C'est tellement beau. C'est comme, je te dis, c'est comme Journey, c'est comme Abzu et tout ça. C'est tu te laisses porter. Et tu kiffes, quoi. C'est vachement apaisant. Ça change des jeux où il faut se foutre sur la tronche constamment et tout ça, tu vois. Enfin, j'apprécie ces jeux-là aussi, hein, mais un peu de calme, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Avec des visuels bien léchés comme il faut. Et voilà, tu te laisses porter. Il n'y a rien qui énerve. Je suis sûr qu'il y a un truc. Avec ça, là, avec ces trucs-là, je suis sûr qu'il y a un bonus ou un machin, mais... On verra une autre fois. C'est où ? Il a reçu des prix, ce jeu ? Parce que si c'est pas le cas, c'est un scandale. Un jeu comme ça, il mérite des récompenses. Pas assez. Il a eu quoi ? Tu saurais me dire ou pas ? The Game Awards, Game for Impact Award. C'est tout. Ah ouais, putain. Ça, c'est un genre de, c'est le genre de jeu où, tu vois, bah, je sais pas, meilleure direction artistique. Tu vois, ce genre de truc, quoi. T'as envie de dire, genre, hé, les gars, s'il vous plaît, quoi. Et ils ont fait quoi d'autre comme jeu Le studio à l'origine de celui-là, tu sais ou pas ? Si tant est qu'ils aient fait d'autres jeux. Oula. Peut-être qu'ils ont rien fait ou pas fini. Peut-être. Hop. Voilà. Oh, c'est trop bien ça. Oh, c'est génial. C'est trop bien. Regarde ça. C'est énorme comme truc. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire d'autres jeux, hein, le studio, parce que... J'en veux d'autres. Hein.
J'en veux d'autres, hein, des trucs comme ça. S'il vous plaît. J'ai pas encore fini le jeu, mais j'en suis amoureux. Nomada Studio, ouais. C'est leur premier... Eh bah, putain de merde. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. J'espère vraiment qu'ils vont en faire d'autres. Sur leur site concernant un autre. Oh putain, oh! Devolver les suivants, peut-être. Comment je vais... Ah si. On va refaire la technique d'avant là. Voilà. Mais ouais, ouais, non, j'espère clairement qu'ils vont faire d'autres jeux et qu'ils vont trouver des financements, parce que c'est juste fantastique, quoi. Après, c'est la scène indé, hein. Et il n'y a pas photo, hein, la scène indé, bah, ils tentent des trucs, quoi. Donc à partir de là... Là, je vais pouvoir plonger. Oh, c'est trop bien. C'est trop cool. Regarde ça. Oh là là. C'est ouf. Regarde ça, maintenant on est dans les océans et tout, c'est trop beau, putain. Jeu acclamé par les critiques, même celles non spécialisées dans le jeu vidéo. Mais tu m'étonnes, non mais sérieux. C'est une succession de tableaux, quoi. Tu vois, moi, c'est le genre de jeu, genre si quelqu'un me dit « Ouais, le jeu vidéo, c'est pas de l'art », je fais « Vas-y, joue à Gris. » Joue à Gris et on en reparle après si le jeu vidéo, c'est pas de l'art. En tout cas, un mélange de différents arts. C'est... voilà, genre, putain, regarde ça comme c'est beau. Ça évoque plein de choses. Regarde ça, les poissons. Une liste longue comme le bras de jeux vidéo qui sont des œuvres d'art. Oui, non mais on en a tous. Hein. On en a tous. Bah déjà tu prends Ori, tu vois, Ori and the Blind Forest. Sa suite évidemment. Principe de Talos. Oh, je l'ai pas fini Talos. Ça fait partie de ces jeux que j'ai envie de faire sur la chaîne, un de ces quatre. Mais je l'avais commencé et tout, et il fait mal à la tête. Hein.
Il fait mal à la tête, mais il est très très cool. Le reproche que je lui faisais... Il y avait un petit reproche que je lui faisais, c'est que je trouvais que dans les niveaux bonus, des fois, t'avais des trucs qui étaient un peu... tu vois, c'était... Comment ? Je trouvais que la difficulté au niveau des... je sais plus, c'est des étoiles, non, qu'il faut trouver ? Mais t'as les... Ouais, t'as les éléments bonus. Je trouvais que ça allait pas assez crescendo dans la difficulté. T'avais des trucs déjà ultra hardcore dès les premiers niveaux. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage. Je trouvais ça un peu dommage que ce soit... que ce soit ultra velu dès le début, quoi. Mais faire après le jeu et sa fin. D'accord. Mais bref, en tout cas, voilà. Talos Principle, ouais, ça... Ça fait partie de ces jeux que j'ai jamais terminé de mon côté et qu'il faut que j'aimerais bien faire en live, un de ces quatre. Oh là. Oh, c'est trop bien ça. C'est ouf. Ça marche. Bonne nuit. Non, demain je travaille pas, ni mardi. J'ai 4 jours de repos, donc c'est cool. Je suis tranquille. Ah oui, d'accord. Et du coup, hop, je vais choper les autres, là. De toute façon, je finis ce truc-là et après, je pense que je m'arrêterai parce que... Bah, il va être 1h du matin, mine de rien. J'avais pas fait gaffe à l'heure. J'avais pas fait gaffe à l'heure. En même temps, quand on s'éclate... difficile de... ne pas se laisser emporter, quoi. Oula. Fait sombre par là. Ouah. Je pense qu'il me faut de la lumière. À mon avis, le jeu me dit genre non. Tu ne peux pas explorer là pour l'instant. Il y a des trucs là. Attends. Qu'est-ce qui se passe par là ? Ok, sûrement des trucs à choper. Genre des petits papillons, des trucs comme ça. Oh, un bonus! Excellent! Comment je vais le choper? Ah, par là. Oula! Putain, je ne me vois plus. Comment je vais faire? Oh!
Voilà, comme ça. Attends. Voilà, j'ai trouvé le truc. Tu t'ouvres, ok, super. Et par là, ah ah, c'est bon. Ah mais c'était pas par là. Merde. C'est de l'autre côté. Vite, retournons les chercher. Venez avec moi là. Voilà. Par là. Tranquille. Voilà. Et on va l'avoir, notre bonus. Voilà. C'était pas compliqué. Tac. C'est bon. On l'a eu. Et du coup, il me manque quoi? Je crois que j'ai tout. Ah non, merde, il m'en manque un. Bah, il va être où? C'est celui qui est en bas, là? Peut-être un plus haut. Ah, par là. Ah, hé, reviens! Il est parti, le salaud. C'est bon. J'ai chopé. Super. Allez, maintenant, donne-moi la lumière. Nouvelle couleur. Non. Oh, une tortue. Bah allez, va avec elle. C'est elle qui va nous éclairer. Trop bien. Oh là là. Merci. Ah. Bah allez, let's go, on continue. Oula. Un pied. Excusez-moi madame, je ne cherche pas à voir des choses qu'il ne faut pas. Je sais pas si je vais du bon côté. Je vais supposer que oui. Là, ça se trouve, j'ai pas chopé les bonnes choses. Ah là là. Non. Par là peut-être. J'ai dû louper un truc. Non? Bah alors?
je comprends pas. Merde. Ah, oh, putain. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, ok. Pas mal le coup de la cascade. Pas mal. Ok, d'accord. Je comprends pas. Elle joue toute seule. Ok. Oh putain, serpent marin. Non. Oh putain. Laisse-moi. Oh putain. Laisse-moi. Non. Au secours. Fallait choisir l'un ou l'autre. Oh putain, il va me becter. Je vais me faire becter. Lâche-moi l'arrêt. Oh là là. Putain, même les combats de boss, ils sont... Oh là putain, il me lâche le menu fretin. Vite. Fuyons. Je sais pas où je suis. Oh la vache. Ils me suivent toujours, j'en sais rien. Je pense que non. Aucune idée d'où je suis. Il y a une sortie à un moment ou quoi là ? Je suis perdu. Est-ce que je... Ah ! Putain ! L'enfoiré, il m'a fait peur ! Ah putain ! Au secours ! Laisse-moi tranquille ! Faut absolument que je regagne la surface. Non ! Non. Laisse-moi Jean-Claude.
Non. Fous-moi la paix. Non. 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 T'as pas le droit. Ah. Oh. Merci. Merci la tortue. Formation tortue. Ah oh, le stress quoi. M'a mis le stress ce truc. Bon allez là, moi je veux juste... Comment je fais? Merde. Je suis pas parti au bon endroit. Bon bah tant pis pour le bonus. J'ai aucune idée d'où je suis. Ah si. On remonte. Attends, c'est encore un niveau ça? Putain, mais... Il va falloir que je m'arrête à un moment. Il va falloir s'arrêter, hein. Il va falloir s'arrêter. Je voudrais juste remonter, en fait. Je sais pas si je peux remonter... tout de suite ou pas? Peut-être. Oula. Il y a un truc là. Ah non. Ok, je croyais. Putain, c'est où? Ah merde, je suis con. Ok. Moi, je veux juste remonter à la surface. Oh. Je suis perdu. Comment je fais? Comme ça. D'accord. Ah, c'est stylé. Putain, on dirait presque... Ça fait presque penser à Céleste, ça. De passer dans les trucs. Ah bah voilà. On est remonté. Et bah c'est parfait. Eh ben, on va pouvoir stopper la VOD ici, du coup.
Hein, je pense que ça fait un très bon moment. Plus c'est 1h du matin, il va falloir aller faire dodo. Mais bref. Il est incroyable ce jeu. Je le kiffe d'une force incroyable. Vraiment de ouf. Quoi. Donc j'ai très très hâte de le continuer. Je pense qu'on va, faire ça assez vite. Mais bref, j'espère qu'Ami du Turfu sur YouTube, ça vous aura plu également. Et si c'est le cas, vous savez tout ce que vous avez à faire à la fin d'une vidéo sur YouTube. Hein. J'ai plus besoin de le rappeler. Donc voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et puis bah, on se retrouve très vite pour la suite. Et bisous.